environ 7 km, on arrive à la cascade du Ré. Ça vaut le coup d'œil, il faut absolument s'arrêter pour regarder ça. En dessous aussi, c'est très joli la Gordolasque. Après ce pont, on va bientôt passer à l'ancienne frontière entre la France et l'Italie avant 1940. Un peu plus haut, juste en face de cette borne commémorative, se trouvait l'ancien pont qu'on appelait le Pont du Roi, qui traversait la Gordolasque au temps où le chemin passait en face. Maintenant, la route passe de ce côté directement. Juste au-dessus, à peu près au niveau de la borne 8 km, en dessous de l'actuel hôtel du Grand Capelet, pile entre le ruisseau de la Valette et la Gordolasque, se trouvait la frontière italienne, avant 1940. Et là, on arrive à la vacherie de la Gordolasque. Où il y a du bon fromage. C'est tout près, c'est à même pas 300 mètres, on la voit là-bas la vacherie. Et on va se garer juste après dans le virage. Hop. Et à partir de là, on va faire une centaine de mètres pour aller prendre le chemin du Capelet, juste là à gauche. On commence à randonner en passant devant une très jolie maison, ainsi que devant un magnifique châtaignier. Alors en arrivant juste devant l'hôtel du Grand Capelet, on tourne tout de suite à droite. Et on suit le petit chemin qui est là. À 100 mètres de l'hôtel, on traverse un petit ruisseau et on se dirige tout de suite après vers Malabergue. On commence par traverser un petit bois très sympathique. Le sentier est correctement balisé. On traverse un petit pré avant de poursuivre à nouveau dans les bois le long du ruisseau de la Valette. On suit un peu tout le long le ruisseau de la Valette et c'est bien agréable. Le sentier est un peu chaotique par endroits, donc évitez les tongs et les sandalettes, surtout à la descente. On passe à côté d'une jolie dalle. Arrivé là, on découvre le rocher de Malabergue. Alors ici, il y a une source qui vient d'un peu plus haut. Et si c'est pas dégagé, c'est très haut la végétation et il faut se frayer un chemin. Après, c'est meilleur. Nous y voilà. C'est bien ici. Il suffit de descendre vers le tas de cailloux par un petit sentier, pas toujours dégagé. Ici, il faut s'imaginer de grands espaces de prairies, d'alpages, où les gens venaient faire paître leurs vaches à l'époque, il y a 150 ans, au moins 100 ans peut-être. Et pendant quelques temps, il venait s'abriter sous ce rocher. Alors ça s'appelle Malabergue, parce que Abergue ou Abergo en provençal, ça signifie chalet chalet de montagne si on veut. Et mal, c'est mauvais. Donc c'était un petit peu une façon de se moquer des gens qui se logeaient ici, on va dire, en appelant ça un mauvais chalet de montagne. Mais bon, ça constitue un bel abri. L'entrée est parfois obstruée par de grandes orties et fougères. Ici, on voit encore l'endroit où il faisait du feu. La petite aération là servait de cheminée. D'ailleurs, c'est tout noir au plafond. Et ils passaient leur nuit à l'abri ici en surveillant leurs bêtes dehors. Et bien voilà, une fois que les vaches avaient tout mangé, ces bergers de quelque temps continuaient comme on va le faire un peu plus haut vers d'autres alpages. Juste au-dessus du rocher, on peut se frayer un chemin sur le petit ébouli là, pour rejoindre le sommet du rocher là-haut. Attention aux orties, ça pique. Alors il faut faire attention que les enfants n'approchent pas trop du bord. Ça craint. Ensuite on va reprendre le sentier qui monte juste là en face. Et on va passer au-dessus de ce rocher là-haut que quelqu'un a équipé pour faire de l'escalade. Dans le Mélézin, le sentier est de plus en plus agréable. Au niveau de la grande épingle qui est au-dessus, on aperçoit tout en bas la vacherie de la Gordolasque, Engiboï. Apparemment, on peut accéder au sommet du rocher équipé à partir d'ici aussi. Et tout en haut, on aperçoit la crête de la Valette. Tout en haut, il y a les moutons gardés par les patous. Le chemin qui chemine dans les mélèzes est décidément très agréable. On arrive ensuite à un second alpage intermédiaire, qu'on laisse sur sa gauche, on reste bien à droite pour éviter de traverser des murets, des orties et tout un tas d'autres végétations. C'est très sympathique ici et très fleuri à certaines périodes. Ici aussi, il y avait un grand alpage à l'époque, il n'y avait pas autant de mélèzes. Et il y a encore pas mal d'abris de bergers qui sont en ruine maintenant, bien sûr. Et il doit y avoir pas mal de monde ici l'été. Ensuite, dès qu'ils avaient tout mangé, ils continuaient un peu plus haut. Au moment où on rejoint les bois, le sentier part à droite pour aller traverser un petit ruisseau. On traverse le petit ruisseau. On fait un petit zigzag et ensuite on monte à travers les mélèzes. Tout en travers. C'est balisé. Et on arrive presque tout de suite au pied du grand alpage de la Valette, enfin sous la Valette on va dire. Donc là on va suivre tout droit dans l'alpage les traces vertes qui montent légèrement en travers mais quasiment tout droit pour l'instant. Je conseille fortement cet itinéraire à la montée, la descente étant plus facile par d'autres passages. Si toutefois vous deviez descendre par là, essayez de suivre dans l'axe les rares balisages. Pour arriver vers les deux petits mélèzes là. Pas avant ni après. C'est le seul endroit pour vraiment passer facilement. À partir d'ici, on va pas continuer tout droit. On va rejoindre à gauche l'ancienne bergerie en ruine. On va monter un petit peu vers ce gros rocher. Et ensuite, on va monter en travers, en dessous de la petite barre rocheuse, pour rejoindre le sommet de la crête de Bouscaille qui est à peu près par là. Joli paysage vu d'ici, avec le Capelet inférieur, supérieur, Cime du Diable. Alors nous on est monté par l'alpage là, on vient juste de tourner à gauche pour traverser ce tout petit vallon, on se dirige vers ce rocher et ensuite vers l'ancienne bergerie qui est juste là. Nous voici donc à l'ancienne bergerie où il y aurait besoin d'un bon nettoyage. Alors on est arrivé juste là. À la descente, le rocher est repérable, il est bien balisé. Ensuite, on va monter vers ce rocher où il y a un cairn et un balisage. De là, juste au-dessus. Et ensuite, en travers. On va passer sous ce mélèze là-haut. Et on va continuer jusqu'à la crête par un petit sentier très sympathique. C'est même une sente hein, qui passe dans les genévriers nains. Voilà, depuis le gros rocher au sommet de l'alpage où on a tourné à gauche, on a bien progressé. On est passé à l'ancienne bergerie. Et là, on est monté par un petit sentier. Continue tranquillement, très sympathique. Et voilà, on a presque rejoint la crête, c'est juste là-bas derrière, c'est tout plat là, pour 100 mètres. Alors à la descente, attention de bien tourner à droite pour continuer le sentier vers la petite bergerie en ruine. Nous voilà arrivés à la crête de Bouscaille. Donc là, on peut pas se tromper. On va sur Mont Joia, Valette. On va suivre la crête pour rejoindre Mont Joia. Alors en dessous, c'est le cerf de Bouscaille ou la crête de Bouscaille, mais c'est dangereux, surtout à la descente, donc il faut éviter de s'y aventurer. Donc si vous arrivez ici à la descente, vous suivez bien Engiboï et vous rejoignez tout de suite le petit monticule avec le balisage et le sentier qui va vous ramener à la petite bergerie ruinée en bas. Et Engiboï après, tout en bas. Voilà, il suffit de suivre la croupe herbeuse tout le long. Alors c'est plus balisé évidemment, mais bon, c'est un itinéraire de montagne sur une crête, donc on ne peut pas se tromper. Magnifique paysage. Il y a un moment, on croise le chemin qui monte de la Lauze au fond de la Gordolasque là-bas. Alors on peut le suivre jusqu'au petit collet qui est là-bas et après poursuivre sur la Valette ou monter après sur Mont Joia, ou alors on peut suivre la crête directement pour monter Mont Joia. C'est ce que je vais faire. Par moment on retrouve un bout de balisage jaune. Allez, on monte encore. Voilà, quasiment en haut. Eh bien, c'est un itinéraire techniquement facile, sans problème, mais physiquement éprouvant. Ça grimpe et surtout ça grimpe. Et là, voilà, on est arrivé quasiment à Mont Joia, ou à Mont Joy, comme ils disent par là. Je vais pas être tout seul. Après, l'itinéraire est beaucoup plus intéressant. Enfin, plus intéressant, plus tranquille, on va dire. Voilà, on est presque arrivé à Mont Joia. Là c'est direction d'où on vient, mais pas tout à fait, c'est le sentier qu'on a croisé. Là c'est Valette de Prals, et ben, ça va être toute la crête qu'on va suivre après. Voilà. Hop. Et là il y a un parapentiste prêt à décoller, mais c'est compliqué, il y a beaucoup de vent. Voici donc à Mont Joia, il y a beaucoup de vent. Là-bas en bas, il y a les gens que j'ai aperçus tout à l'heure, qui vont descendre apparemment par la crête de Bermonet, pardon. De l'autre côté, on aperçoit la vacherie de Férisson. Le paysage est grandiose, hein, malgré les nuages. Les plus hauts sommets sont dans les nuages. Ils se dégagent un peu, mais pas complètement. Là-bas dessous, c'est la cabane du berger. Il a dû stocker ses brebis, je pense. Au repos, quelque temps. Là en face, c'est là où on va, c'est la cime de la Valette. Donc on a le choix, on peut soit prendre le sentier qu'on voit, soit suivre la crête, enfin la crête, l'épaule herbeuse qui monte jusqu'au sommet. Je vais suivre l'épaule herbeuse, comme d'habitude, c'est plus sympa. Voilà, l'itinéraire est plus tranquille déjà. Voilà, de Mont Joia. Arrivé au petit col. Et ben, je vais grimper tout droit. Comme ça, je suis la crête direct. Et voilà, ça fait déjà une petite trotte depuis Mont Joia. Suivi la crête. Et là, on rejoint le chemin et on peut prendre le chemin tranquille. Hein. Il monte en zigzag jusqu'au sommet, ou alors on peut monter tout droit, ce que je vais faire, jusqu'à la croix là-bas. C'est le sommet là-haut. Et Baisse de Férisson, Vacherie de Férisson, c'est le chemin qui descend en zigzag là-bas. Voilà. Allez. On continue tout droit. Voilà, sommet de la cime de la Valette. Enfin, l'un des sommets, le deuxième là-bas, c'est pareil. Hein. Et là-bas au bout, on aperçoit les lacs de Prals. Là-bas, c'est la Madone de Fenestre, et comme on voit, il n'y a pas une voiture cette année, vu que la route est complètement détruite par endroits, donc on ne peut pas monter. Donc si on veut faire les lacs de Prals, eh bien il faut passer par la Baisse de Prals où on va descendre. Voilà. En bas, on aperçoit une partie d'Engiboï avec l'hôtel du Grand Capelet qu'on reconnaît très bien là. De l'autre côté, dans la vallée, on aperçoit l'Antosque et son affreuse carrière derrière. On voit même la redoute de l'Othion là-bas au fond. On la voit de partout, la redoute de l'Othion. Mais le plafond est bas. Hein. Soyons optimistes, ils n'ont pas prévu de pluie aujourd'hui. De ce côté-là, on voit l'itinéraire de descente qu'on va prendre. On va suivre à peu près la crête hein, tout le long, jusqu'à arriver là, à la Baisse de Prals. De la Baisse de Prals, on voit bien le sentier qui descend en zigzag vers, pour rejoindre les lacs. Alors il y en a un qui, à cet endroit-là, remonte à flanc au lieu de descendre carrément plus bas pour remonter. Vu d'ici. Encore un poteau indicateur. Alors là, c'est d'où on vient. Là, c'est où on va. Et là, c'est pour ceux qui ont envie d'aller au lac de Prals pour rejoindre la Madone. C'est assez simple par là. De la Baisse de Prals, il y a aussi un petit sentier qui descend vers Prals. Pour rejoindre les lacs, il faut juste trouver le début du sentier. Alors, il est plus direct. Et il permet de ne pas descendre tout en bas. Et bien moi, de la Baisse de Prals, je vais descendre sur la droite pour rejoindre la Gordolasque en bas. Tout droit, ce sera plus simple. Belle descente, mais c'est pas fini. Et après, c'est tout en bas. On voit le lac de Saint-Grat, tiens. Le chemin est très chaotique par endroits. Il vaut mieux être bien chaussé. Ici, il y a un parc pour mettre les moutons à l'abri avec les patous. Et là-bas en dessous, il y a les maisons du berger. Près des cabanes de berger, il y en a un qui s'est amusé à faire une sorte d'épouvantail qui fait peur. Après les cabanes de berger, le sentier est de plus en plus agréable. Et quand on va arriver dans la forêt, après, c'est cool. Ça fait plaisir pour les pieds. Le sentier qui serpente dans le Mélaisin est très agréable. Ça change d'en haut. Il y en a même qui rafraîchissent leurs pieds endoloris dans ce petit filet d'eau, tout frais. Un peu plus bas, adieu les mélaises et bonjour les pins. Et le sentier est toujours aussi agréable. Et là, il commence à faire un peu plus chaud, alors qu'aujourd'hui, il a fait froid là-haut. Et au détour d'un virage, on s'aperçoit qu'on est tout proche du lac de Saint-Grat. Et voilà, on y est. Retour à la civilisation, on aperçoit les premières maisons, on est à quelques centaines de mètres de la route. Et voilà, on rejoint la route de la Gordolasque. Alors en haut, on peut aller rejoindre le Relais des Merveilles qui est pas loin. Et nous, on va redescendre à droite. Et voilà, retour au point de départ. Après 2 km de goudron, mais ça passe très vite.